Aujourd'hui, c'est dans les sous-bois de Croquignoles-sur-Merdilloux que notre équipe vous emmène. Dans ces taillis richement fournis, l'oreille attentive saura reconnaître le cuicui de tel pipistrot ou de telle passerelle. Sa cliquette, sa roucouille et sa martilouffe dans les bosquets. Cependant, la vérité qui se cache derrière ces joyeux persiflages est en réalité tout autre. Dire le bruiteur de forêt, c'est quand même c'est avant tout, je dirais, une vocation. Hein. Faut aimer. Depuis tout petit, on clapote, on claquette, comme on dit dans le jargon, on farlipette. On vous dit dans la forêt, contact avec la nature. On peut avoir des mots, hein, c'est des conneries, tout ça. Hein. Il y a plus d'animaux. Hein. On pollue, on jette des trucs. Il faut avouer, il y a plus de bruiteurs que d'animaux à l'heure actuelle. Hein, et... Mais Jean Renard, dites-nous donc. Bruteur de forêt, destin ou vocation? Qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre, c'est mystique, quoi. Je suis allé voir les grands. Alors ça calme, hein, ça rend humble. Je veux dire, c'est en Afrique. Alors là, les mecs, il faut. Là, on est ailleurs, là. On va clairement, pas chier. Hein. Ils font le lion. J'arrive à faire le lion. J'ai perdu, hein, ça fait longtemps et tout. Partez de là, et c'est vraiment une respiration, c'est une connexion avec son diaphragme, mais son bassin, quoi. Voilà. Pour entretenir l'illusion auditive, le bruiteur doit savoir se faire oublier de l'œil, c'est-à-dire qu'il doit être invisible. Il s'est resté immobile des heures durant, dans l'attente d'un éventuel promeneur. Non, là, je chie, là. Mais Jean Renard, dites-nous donc, comment devient-on bruiteur de forêt? Ce que vous entendez là, c'est les bruiteurs, c'est les stagiaires. Ils se font la main sur le train, les voitures. Bon, au niveau de la ville, bon, clairement, il y en a assez, hein, les bagnoles, tout ça. Bon. Voilà, on arrive à sentir là, c'est une triomphe. C'est bon, ça, on sent les jeunes qui ont plus de. Tout de suite, hein, précision. Ils préféraient claquer du bois, hein, pas se leurrer. Bon, enfin, ça s'apprend, faut apprendre. Hein. De toute façon, on arrive gentiment à créer des bruits, puis là, on fait des spécialisations. Moi, j'ai plus que deux spécialisations, on m'appelle que pour. Le roupiou-piou à Collerette, par exemple, qui est plutôt dans le claquettement assez intrusif. Quelque chose comme ça. Frédéric, collègue, lui est plutôt sur la sarcinette mauve. Avec l'expérience des années, Jean Renard a peu à peu étoffé son répertoire. Il sait désormais s'adapter à toute situation et à toute demande. Alors là, clairement, cet après-midi, on va parler d'une coupe de bois. Alors, c'est le métier, quoi. Au niveau du son, je pense qu'on est bien. Ah ouais, là, on est... Bruiteur de forêt, c'est donc avant tout un don de soi. Une communion parfaite de sa personne avec la nature environnante et un respect mutuel de cette dernière. Monsieur Gérard, vous avez entendu? Spécialiste d'ours. C'est étonnant parce que clairement là. C'est des mandats qu'on n'a plus. Hein. Gérard. C'est un monstre, ça c'est un monstre, le mec qui fait l'ours. Je vais juste pisser, je vais dire bonjour à Gérard, ok? Gérard? C'est pas Gérard.